Ouais, alors, oh, tu peux pas me prêter ta caisse, s'il te plaît? Je suis tombé en panne, j'en ai besoin. Non, désolé, j'ai pas le temps, je suis à Paris. Tu peux pas me dépanner ta voiture, s'il te plaît? Je suis tombé en panne. Ouais, non, là, je peux pas te prêter ma voiture. Là, je suis au taf. Je peux vous aider, moi, je peux être garagiste. Et voilà, facile, je vais la réparer, votre voiture. Oh non. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? C'est le fait que tu pars d'une pièce qui est abîmée et tu travailles et quand tu as fini, ça se voit plus qu'elle était abîmée, donc tu prends du plaisir. Quand quelque chose est broyé puis que tu arrives à le restaurer, bah, tu es fier, même si tu as eu du mal à y faire, que tu enrages pendant que tu es après, bah, une fois que c'est fini, tu dis ah, c'était quand même bien. Formation nécessaire, moi j'ai appris sur le tas, donc vraiment en travaillant. Mais sinon, pour arriver au niveau où je suis maintenant, il faut faire au moins jusqu'à bac professionnel. Si tu n'as pas ces bases-là, tu ne peux pas lire une revue technique, tu ne peux pas comprendre ce qui a marqué dessus. Donc on travaille tous avec des outils techniques. Parce que maintenant les voitures sont de plus en plus compliquées et il faut aussi des connaissances en informatique. À quel âge avez-vous commencé à travailler dans ce domaine? 14 ans. Ça fait jeune, ça. Ben, à l'époque, on rentrait en apprentissage à 14 ans. Quel est le véhicule le plus incroyable que vous ayez réparé? Je vais dire, c'est la première voiture que j'ai peint quand j'étais ouvrier, que j'ai peint complètement, une Dauphine. Comment ça se passait pendant les entretiens d'embauche? Par voir s'il est sympa quand il arrive, s'il dit bonjour, s'il est poli et tout. Tu regardes ses compétences. On essaye de voir si ce qu'il dit qu'il est, si c'est vraiment ça. Et puis après, le meilleur des moyens, c'est de voir à l'essai ce qu'il est capable de faire ou pas. Feriez-vous ce travail toujours? Oui, mais je pense que c'est déjà fait, mais je vais continuer, oui. Allez.